Mère de deux petits garçons, Liesta Asadi Ilman, candidate emblématique de Maman et célèbre, attendrait-elle son troisième enfant? Regardez plutôt cette vidéo dans laquelle elle révèle être enceinte à sa meilleure amie Cécilia Ziaraï. De Koh-Lanta à maman de trois enfants? Découverte en 2017 dans Koh-Lanta, l'île au trésor, Liesta Asadi Ilman était arrivée en finale mais s'était fait piquer la première place par Benoît, l'homme qui deviendra quelques années plus tard son mari. En effet, s'il ne s'était rien passé entre eux sur l'île, ces derniers ne se sont plus jamais quittés à la suite de l'émission et ont même fondé leur famille. Habitant à Toulouse, ils se sont mariés, ont acheté leur maison et ont donc eu deux petits garçons, Julian, né le 13 juillet 2019 et Adrian, né le 11 février 2021. Ensemble, ils ont également enchaîné les programmes de télé-réalité, La bataille des couples saison 1, Maman est célèbre sur TFX depuis 2020 ou encore La villa des cœurs brisés, dans laquelle ils avaient le rôle de coach love. Tout semble aller pour le mieux pour le couple. Jusqu'à avoir un troisième enfant? C'est en tout cas ce que révèle la Toulousaine de 29 ans à l'une de ses meilleures amies, Cécilia Ziaraï, elle aussi maman et candidate dans Maman est célèbre. Un bébé ou de l'air? Cécilia étant plus petite, un M55 contre un M78 pour Liesta, les deux jeunes femmes s'amusent à porter des tenues similaires pour montrer qu'une même tenue peut être portée de plusieurs manières. Un concept filmé et publié sur leurs réseaux sociaux qui semble plaire à leurs fans. Et qui a donné une idée à la femme de Benoît, annoncer une grossesse à son binôme. Lors d'un essayage, Liesta filme en caméra cachée et dévoile son ventre à son ami de longue date, qui répète à plusieurs reprises « Je te crois pas ». En pleurs et désarçonné, Liesta rétorque « Je ne sais pas comment faire, si est chaud mais je suis dans la merde. Je suis épuisé, ça se voit déjà. » La vidéo de cette annonce, ou plutôt de cet énorme prêt réussi, publiée sur TikTok a été vue pas moins de 168,000 fois. L'occasion de se rendre compte qu'il n'y a pas de troisième bébé en route et que tout ça n'est que du vent.